La Suisse vote. La Suisse est un État fédéraliste. Cela signifie que les tâches sont réparties entre différents niveaux. En Suisse, ces niveaux sont la Confédération, les cantons et les communes. Les élections fédérales du 20 octobre concernent la Confédération, c'est-à-dire le niveau fédéral. Toi et tous les autres Suisses et Suissesses possédant le droit de vote, élisez l'Assemblée fédérale, le Parlement de la Suisse. Le Parlement est entre autres responsable de la création des lois. Il décide où et à quelle fin l'argent est dépensé. Il élit également le Conseil fédéral, le gouvernement de la Suisse. Le Parlement se compose de deux chambres. Une de ces chambres est le Conseil national. Le Conseil national représente la population et compte 200 membres. Plus un canton comprend d'habitants, plus il élit de membres au Conseil national. Le canton avec le plus grand nombre d'habitants, celui de Zurich, élit par exemple 35 membres. Le canton du Tessin élit 8 membres et le canton d'Obwald un seul membre. L'autre chambre est le Conseil des États. Le Conseil des États représente les cantons et compte 46 membres. Tous les cantons élisent 2 membres au Conseil des États, peu importe leur nombre d'habitants. Les 6 demi-cantons n'élisent qu'un membre chacun. Pour les places au Parlement, on efface tout et on recommence. Tu as les cartes en main pour les élections fédérales. Qui devrait te représenter au Parlement ces 4 prochaines années? Le 20 octobre, fais ton choix. Tu disposes pour ce faire de différents bulletins de vote pour les élections du Conseil national et du Conseil des États. Nous te présentons en 5 étapes simples comment les remplir correctement sur easyvote.ch. Nous t'aidons également à trouver les candidats et candidates qui te correspondent. Quels thèmes sont importants pour toi? Quels partis et quels candidats et candidates représentent des opinions similaires aux tiennes? Remplis notre questionnaire et découvre les candidats et candidates qui représentent tes intérêts. Go vote !